Bonjour et bienvenue dans Astuces Microsoft Office. Je m'appelle Geoffroy Dissa et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce graphique d'indicateur de comparaison. C'est un graphique qui vous permet de présenter une belle visualisation comparative de deux colonnes de données. Et ici, on a pris le cas des produits, donc ce sont des différents types de poissons. Qu'on va comparer le taux de vente de l'année N-1 au taux de vente de l'année N. Donc ça vous permet quand même d'avoir une belle représentation. Donc on a l'année N-1 qui est à gauche et l'année N qui est à droite. Et on a le nom des produits au milieu. La particularité de cette représentation est que vous avez deux barres, l'une à droite, l'autre orientée à gauche, sans utiliser des valeurs négatives. Donc sans plus tarder, nous allons commencer la réalisation de ce graphique. Donc pour cela, je me positionne, je vais créer une nouvelle feuille, donc la feuille numéro 2. Je vais reprendre tout simplement les valeurs que nous avons déjà ici. Donc je fais un CTRL-C. Je fais un CTRL-C. Je remets ça ici en CTRL-V. Pour réaliser ce graphique, il y a quelques codes à savoir. Donc je reviens sur la feuille numéro 1. Ce que vous avez en représentation ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des valeurs cachées. Déjà, on a des noms de produits qui sont au milieu et ces noms de produits ont des valeurs derrière. Donc, si je me positionne sur ça, vous voyez, je vois quand même qu'il y a des valeurs derrière. Donc, ça me met valeur 50%. À droite comme à gauche, on a des valeurs cachées aussi parce que ça reste un graphique dynamique. Donc, à chaque modification de données, la barre s'adapte. Donc, ce sont des barres de progression qui peuvent aller jusqu'à 100%. Donc, ici, on est par exemple à 80%. Donc, si je me positionne sur Macro dans l'année N et je mets 100%, la barre doit pouvoir aller jusqu'à 100%. Voilà. Donc, pour cette réalisation, nous allons créer dans un premier temps les valeurs qui sont invisibles. Donc, je me positionne ici. Et pour les valeurs invisibles, on aura des valeurs invisibles pour l'année N-1, des valeurs invisibles pour l'année N et aussi les valeurs des produits. Donc, je mets année N-1 invisible. L'année N-1 invisible. Je mets juste à côté l'année N invisible aussi. Et après, je mets les valeurs du milieu. Comme ce sont des barres de progression qui peuvent aller jusqu'à 100%, donc la valeur invisible n'est rien d'autre que ce qui manque à la valeur initiale pour que ça puisse atteindre 100%. Donc si on le comprend comme ça, le calculer, c'est très facile. Je mets ici égal, je dis ça fait 1 moins la valeur de n moins 1. Donc la valeur de l'année n-1 invisible est égale à 1 moins la valeur de l'année n-1. Donc, et j'ai les valeurs qui se calculent automatiquement. Je peux dupliquer ma formule ici. Donc juste à côté, on remet la même formule. Donc je mets égal 1 moins la valeur de l'année n. Et pour les milieux, je mets 50%. Donc, je mets 50%. La colonne n'est pas en valeur de pourcentage. Donc, je le mets en pourcentage d'abord. Et après, je mets 50%. 50% que je remets sur toutes les lignes. Une fois que les valeurs sont calculées, nous allons insérer notre graphique. Donc, je sélectionne l'ensemble des valeurs. Je viens dans Insertion, je choisis les barres empilées. Donc, vous choisissez votre barre empilée que vous positionnez comme ça. On élargit un peu pour que ça puisse prendre un peu de taille. Donc, ce qu'il faut contrôler ici dans un premier temps, c'est de voir si j'ai bien les valeurs des les noms des produits en as vertical et les valeurs en pourcentage en horizontal. Donc, c'est bien ce que j'ai. Et l'autre chose qu'il faut contrôler, c'est de voir si les barres empilées ont pris 100% de la zone de graphique. Donc, ici, c'est bien à 100% de la zone de graphique.
Et là, on va jeter un coup d'œil à la feuille numéro 1 pour voir les modifications à faire. Donc, la feuille numéro 1, qu'est-ce qu'on garde ici? On voit que la légende est en rond et on n'a que année n et année n-1. On a une zone invisible de ce côté de l'année n-1. On a une zone invisible aussi de l'autre côté de l'année n. Et les valeurs, les noms de produits sont au milieu. Notre titre, c'est indicateur de comparaison. On peut commencer par le titre. Donc, je change, je supprime tout ce qui est là, je mets indicateur de comparaison. Indicateur de comparaison. Je mets ça en gras. Tant qu'on y est, je mets ça en gras. Je mets la taille à 16. Vous sélectionnez la légende. Clique droit sur la légende, format de la légende, et vous balancez ça en haut. Supprimer. L'autre chose à faire, c'est de réorganiser les zones. Donc, on va réorganiser chaque zone. Ce qu'on aimerait avoir, c'est d'avoir la zone N-1 invisible en première position, et après la zone N-1 milieu N et N invisible. Pour cela, je sélectionne la zone de graphique. Je viens dans création de graphique. Vous pouvez dupliquer là-dessus, hein, ça va vous balancer dans la création de graphique. Vous allez sélectionner les données, donc revenu sur la modification des données. Dans les entrées de légende, on va repositionner. Donc, j'ai besoin d'avoir N-1 invisible en première position. Je sélectionne année N-1 invisible. Je l'envoie tout en haut. Donc, il se positionne là. N-1 suit, c'est très bien. Je mets le milieu en troisième position. L'année N suit et après on a l'année N invisible. Je valide tout ça. Et j'ai mes barres qui se positionnent de cette façon. Donc je commence par mettre les invisibles en format invisible. Donc pas de couleur quoi, tout simplement. Donc je viens sur mise en forme, remplissage, pas de remplissage, aucun remplissage. Je viens au milieu aussi, je clique sur aucun remplissage. Juste à la fin, je mets aucun remplissage. Et on continue avec les mises en forme. Donc, je n'ai pas de barre de séparation comme ça. Donc, je clique sur la barre de séparation. Donc, il faut arriver à sélectionner ça. Voilà. Donc, j'ai pu sélectionner ça ici. Je fais supprimer. Donc, je n'ai plus de barre de séparation. Et aussi, je n'ai pas d'as vertical ni d'as horizontal. Donc, je viens ici dans l'option. Je décoche l'as. Ce qu'il faut faire ensuite, donc, c'est de garder que année N-1 et année N. Donc, je sélectionne la légende. Je resélectionne ce que je veux supprimer. Donc, année N invisible. Je fais supprimer. Je resélectionne et je sélectionne milieu. Je supprime. Je resélectionne. Je sélectionne année N-1 invisible et je supprime. Pour le reste, j'augmente la longueur pour que chaque légende se positionne au bon endroit. Je sélectionne toujours, je reste sur la sélection. Je viens dans accueil pour donner un peu plus de contraste. Je mets ça en gras. J'augmente la taille. Je mets ça à 10. Peut-être on peut l'augmenter après, mais je laisse ça à 10. Je sélectionne maintenant les barres. Clique droit là-dessus. Format. Mise en forme du moins des séries. Vous avez la largeur. Pour la largeur, vous pouvez modifier la barre. C'est la largeur qui se trouve entre deux barres de données. Vous pouvez bouger la barre comme vous pouvez inscrire la taille que vous voulez. Ici, on va mettre 30%. Donc, 30%, ça se sert un peu. Je reste sur la sélection. Et je viens toujours dans l'option pour ajouter l'étiquette. Pour ajouter l'étiquette, je peux cocher ici. J'ajoute l'étiquette. Je prends la sélection de l'année N et j'ajoute aussi l'étiquette à l'année N. Après, je sélectionne les étiquettes comme ça. Je mets ça en couleur, la couleur du test, couleur blanche. Je mets ça en gras. Peut-être 10. De ce côté aussi, la même chose, taille 10 en gras.
Et après, je change la couleur de la zone de graphique. Donc, je sélectionne la zone de graphique. Je viens dans mise en forme. En thème de couleur, je mets une couleur grisée comme ça. Je reste juste au milieu ici. Je sélectionne aussi ce qu'on a rendu invisible. Il faut leur ajouter des étiquettes tout simplement. Donc, je rentre dans l'option d'étiquette. Par défaut, ça m'affiche les valeurs du milieu. Je n'ai pas besoin des valeurs, mais j'ai besoin du nom de catégorie. Donc, ça va m'afficher le nom de catégorie. Je mets ça en gras. J'augmente la taille. Donc, nous voilà à la fin de la réalisation de ce graphique. Ce qui reste à faire pour rendre jolie notre présentation, c'est d'enlever les quadrillages de notre feuille de calcul. Donc, je me positionne n'importe où dans la feuille de calcul. Je viens dans affichage et j'enlève les quadrillages de ma feuille. Et aussi, il faut cacher les valeurs qu'on a créées ici. Quand vous regardez dans la feuille numéro 1, les valeurs existent bien ici, mais on ne les voit pas. Si je sélectionne là, on a quand même notre formule qui dit 1 moins la colonne C7. Si je me positionne ici, j'ai l'année N-1 invisible. Donc, ces valeurs-là, on va les cacher. Pour cacher ces valeurs, ce qu'on va faire ici, tout simplement, c'est de mettre l'écriture en couleur blanche. Donc, ça va se confondre avec notre feuille et aussi enlever les barres. Mais ici, nous sommes en format tableau. Donc, si nous sommes en format tableau, ça ne va pas se faire aussi facilement comme ça. Donc, si par exemple, je mets test de couleur blanche, je dis que j'ai pas besoin de quadrillage, voilà, ça marche pas. Donc, ça marche pas. Je vais faire un contrôle Z pour revenir encore sur les trucs. Ça marche pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de revenir en forme plage. Donc, je reste sur mon tableau. Je viens dans création de tableau. Dans création de tableau, converti en plage. Voilà, j'accepte. Tout est. Et là, je resélectionne tout ce que je veux masquer. Je dis que je n'ai pas besoin de quadrillage, donc aucun bordure. L'écriture couleur blanche. Voilà. Et ici, il n'y a pas besoin de fond, de couleur de fond. Donc, aucun remplissage. Et tout est parti. Donc là, je peux rester juste ici. Je ne reviens plus en format tableau. Je reste ici et je mets des bordures. Voilà. Et c'est bon. Et là, je peux déplacer mon graphique que je positionne juste à côté. Donc, nous voilà à la fin de la réalisation de notre graphique. Il est bien dynamique. Donc, on peut l'essayer. Ici, sur les saumons, j'ai 55%. Donc, ici, c'est saumon 55%, l'année N. Si je remets à 20%, mon graphique doit bouger. Et ça passe à 20%. Pareil, pour dorade, 44%. Dans l'année, 32% de l'année N-1. Donc, 32%. Si on balance ça à 60%, mon graphique doit bouger à 60%. Donc, nous voilà à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Merci, à très bientôt.